Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur télévision nationale d'Haïti dans le sens. Son plaisir pour nous avec vous pour l'autre numéro mis au point. Maintenant, on va parler agriculture avec un agriculteur, je suis plus dans le grand sud du pays. Je suis Negredas. On va regarder la réalité qui a entouré l'agriculteur dans le grand sud là. Si tu nous connais son région qui te prend un gros frappe pendant le passage de Mathieu. Et puis, pas trop longtemps, depuis le groupe Croissance, organisé sommet financement sous financer l'agribusiness. Je dis à une grosse revendication agriculteur, c'est création crédit. Donc, si je dis à crédit arrivé joignant, ça capable d'aider, j'arrête à agriculture pays. On va regarder tout ça et mécanisme qui doit mettre en place pour que l'agriculteur joue un accompagnement. Ça qui est capable d'aider le Haïti vienne autosuffisant. Merci à Pile Pascola et M. Alexis Cléus, son plaisir. Nous nous recevons matin sur TNH. Bonjour Serginho et saluer tous les téléspectateurs TNH et je profite de saluer l'équipe qui a mené TNH là. Parce que on est sans équipe là, ni moi-même, ni moi-même, c'est comme si on n'a pas allé dans le vide là. C'est clair. On est dans le grand sud-ouillet et on va toujours pour Port-au-Prince. On trouve l'agriculture dans le sud là. La Gradance particulièrement. Oui, la Gradance. Je fais agriculture particulièrement à Beaumont. Okay. Même le Grand Sud là, parce que le Grand Sud là, on connaît l'ordi Beaumont. Beaumont, c'est la frontière du sud et de la Grenasse. Donc, comme si pour l'heure, pour entrer dans la Grenasse, première ville où je viens là, c'est ville Beaumont. Bon, avant de passer 18 ans de bouc. Mais ça veut dire que nous-mêmes, nous faisons l'agriculture dans Beaumont. Et c'est Beaumont, puis grand planteur yam dans la République là, il est Roger de Sobet, puis grand planteur yam dans la République d'Haïti, c'est Beaumont que lié. Donc là, sans ça, nous faisons agriculture, mais. Ou on grande plantation là de bois? On me fait, on a une plantation, on a en pile plantation, mais malheureusement, le cyclone là détruit la plantation, mais et même beaucoup arrivé vraiment remettre en marche, effectivement, et plantation mieux. Il n'y a pas de grandeur, Alexis Cléry, je suis sûr comme on veut être grenier, si grandeur, qu'on arrive à être en pile côté, en d'un pays. Culture grandeur, c'est qui ça a eu exactement? En pile. Et en pile, d'abord, autrefois, c'était première culture grandeur, c'était café, cacao. C'est écrit parce que c'est culture d'exploitation. Mais vivre en matière vivrière, que grandeur, c'est premier département dans le pays. Nous faisons pile vivre, nous faisons pile vivre là, nous faisons de miam, malanka, manioc, patate. L'âme véritable tout. L'âme en pile, l'âme. Mais l'âme, le plus souvent, il y a qu'on a sous-estimé l'âme. Ah bon, mais. Parce que moi-même, par exemple, je n'ai pas de paquet, même si j'ai une vingtaine de pieds de l'âme dans l'habitation, je ne vais pas m'intéresser moi-même. Et l'autre monde, il fait qu'il ou bien tombé en bas pierre pourri, il fait fumier. Ah bon? c'est moi là son bagage tête chargée mais par contre habitant grandance il y a un attachement à question tom tom qui même par contre tom tom il y a un attachement à tom tom là ça fait que l'âme est qu'on utilise la pile dans tom tom là mais à pour presque même l'autre il y a pas de l'âme son bagage tête chargée mais la grandance l'âme là il y a des monde particulièrement dans la zone Beaumont l'âme là pour bagage plus d'importance. Mais là, maintenant, il y a plus d'importance dans le bas grand instant, là, on prend Ozou, Zone d'Amarie, Zone Abricot, Jérémy. Là, il y a plus d'importance. Là, maintenant, la zone Beaumont, il n'y a pas trop d'importance. Vous regardez là, c'est de grandes plantations ou bien c'est peut-être Santa Carrelo en agriculture de subsistance, comme si vous faites bah, là juste pour manger, et puis bon, si vous avez qui était, vous voulez vendre, ou bien dans le grand instant, là, on parle avant Mathieu, est-ce que c'est vraiment de grandes plantations dans le département? Il y a des grandes plantations. Il y a des gens qui font grande plantation. Par exemple, si je fais cap cité ou nom comme Gérard Oristan en Beaumont, on est comme Roger de Scobet, c'est des gens qui ont des millions de gouttes de boulard et des millions de gouttes de blé, IAMA et FAO, qu'on a vendu un produit paquet de semences pour des millions de gouttes. Moi, par exemple, pour les cyclones Mathieu, bien que tout le monde n'a pas été produit. Mais les secondes matières, je me suis contrat avec Oxfam Québec pour me déballer 25 tonnes yam. Ah bon, qui évalue à combien? 25 tonnes yam de Oxfam Québec pour 2 900 000 gouttes de yam et poids et maïs. Ah bon? Et donc 2 900 000 et quelques gouttes. Et bon, ça, c'est un contrat que je me suis avec Oxfam Québec, mais avec l'autre monde qui est gagné. Il faut me dire que son côté, par exemple, où on joue n'importe 20 camions de 40 tonnes, 20 tonnes. Qui à l'en bas, cap monté. Et ce seul côté, grandance, déboile la grandance avant Mathieu,
ou quand on voit tout porter tout paquet de zagribayo puis pile fatra y a importer l'autre côté des bouts de camion et fatra là vient dans grandas nous même n'a plein le bon bagage nous retourner avec camion descend dans grandas ou venir ou tourner pour pile fatra yo pour retourner à ville là c'est dans l'autre département ça mais dans grandas pas de bagage comme ça on sorti c'est pour quitter reste produit à terre vous venez si 20 camions descendent pour fatra descendre et bien nous même 20 camions on a chargé le bon bagage et puis on a gagné reste bon bagage qui était comme bois, café, yam et on est capable de dire malanga et puis cacao mais qu'on y a cacao yo commencé au brand mais café est détruit presque à 95% parce que café a gagné moins résistance que cacao si qu'on l'a détruit et café était gagné pile là qui commencé était vieillissant et qui nous gagné pile là commencé mourir c'était une non phase avec l'Institut national café d'Haïti créé de INCA qui sont institut non qui sont institutions dans ministère de l'agriculture qui nous qui travaille avec agronome Jobert Engrand qui un grand technicien professeur de la faculté d'agronomie qui c'est directeur institution ça qui gont chargé de qui gagne des trois agronomes très dévoués avec mais malheureusement les pas qu'agron puis l'agronome il va moyen de ça. Il y a un agronome vicière, un agronome très dévoué. Et un jeune là, qui est au Mexique, là, sous fond maîtrise au Mexique, là, tête chargée, il y a belle, il y a un finalragé pour que café, cacao, avant l'Institut, il y a l'Institut national café d'Haïti, qu'on y a l'Institut national café et cacao d'Haïti. Qui est en réalité à Théi avant Mathieu? Avant Mathieu, le plus gros problème que nous avons, c'est que nous avons des problèmes avec quelques pestes qui ont commencé à attaquer nous, telles comme fourmis. Nous avons un coupe bois, et une coupe en pile bois. Mais c'est un plus fort département, nous avons viré projecteur sous Gandas pour aller charger charbon. Mais comment une certaine autorité, un certain contrôle sur le département? Donc, ça a été une fait. Et tout le monde s'est sorti d'une. Dévasté le département, était venu dévasté. Mais. Et qui impact ça a gagné sur l'agriculture du département? C'est quoi ce qui a impact sur l'agriculture là? Parce que il y a des plantes, en général, des plantes qui remettent un environnement et on est capable de qui besoin en pile fraîcheur, qui besoin une écologie plus équilibrée. Par exemple, si je prends café sur plan hautement écologique, qui toujours besoin de gros pieds bois dans le temps. Et qui besoin tout une écologie à distance, puis une protection à distance. Et café a été venu commencer à mourir en pile parce que le bois a été venu couper trop de bois. Et, mais ça, c'était le premier problème. Mais avant Mathieu, parce que mes productions, il y a nous avons fait en pile. Il y a tout son production qui est venu faire, il a été coupé en pile petit bois. Et je me suis toujours dit Mounio, que et, la pratique culturelle n'est pas bon. C'est-à-dire nous couper trop bois et là dans mon coupé bois et le fait jardin et on va les baliser c'est couper tout pied bois mettre du fil dans tout et bail qui était bois seulement pour y amener monter parce que y amener les mêmes c'est un bail qui gagne faut son relation gagne avec en l'air et à terre pour le produit parce qu'il pas produit si pas gagne s'il pas prend l'air là parce qu'il y a besoin on saute en pile lumière qui vous permet que il pendant en l'air et que ces lumières ça qui me capable de qui correspond avec yamna qui plante dans terre là qui pour faire yamna non donc ça devine faire et production nous te commencer baisser surtout question production café mais production yamna t'est toujours bien fort et même augmenté production yamna production malanga te commencer baisser tout parce que malanga a besoin écologie et qui plus me capable de côté gain plus fraîcheur côté gain plus bois à des temps qu'ou gain ça fait gain des malanga qui disparaissent. Il y a des espèces même qui disparaissent. C'est comme si on prend un taille de taille qui est bon pour l'anémie falciforme. Il est jaune. Il y a bon, alors, plusieurs espèces. Il y a un taille de taille coune. Et les taille jaune, toujours ça, il diminue. Presque diminué. Maintenant, Mathieu, vient de passer. Il y a un côté, un département qui est touché en plus. C'est le département qui est touché plus. C'est ça. Et là, maintenant, qui ça a en termes de dégâts pour le secteur agricole, Alex Péris. Il est inévaluable. Inévaluable parce que Grandas, 10, 15, 22 jours, mois, 2 mois, 3 mois, l'on retenait dans Grandas après Mathieu. C'est comme si on était venu de son côté, on était quitté si même sorte d'acide. Pour qu'on ait un acide, donc si même acide, son gaz, même gaz, on va te gagner.
bah tout bah boule net boule 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 et gè des moun qui habitaient en côté dans Jérémie cri des Gagamoura et sur la sur l'aéroport pour rentrer Jérémie il y a que bon dernier moment arrivé c'est comme si ouais toute caillou a déplacé net toute caillou a déplacé moi même là me dit rentrer ici deux jours avant cyclone là et c'est même c'est ça qui fait dernier moun qui était parlé la radio sur question cyclone là parce que à 4h du matin me t'ai parlé avec moun yo et qui était parlé dans radio Caraïbes radio plusieurs des mille donc qui t'ai parlé de cyclone c'est dernier on a pris ça toute communication coupée net. Donc tout bagage ça qui ça il de gagner pour porter c'est que cyclone a dévasté Grandance et jusqu'à présent les 12 communes de la Grandance sont anémiées. Et pour le sud qui plantation était jusqu'où toute la plantation qui plantation toutes les plantations et sous d'une qui plantation 18 net n'a de café mais toute plantation type bon bayo des avocats jusqu'à présent pas possible bas avocats pas gain résistance mango type plus cassé. Les avocats aussi rachés. Donc ça veut dire ouais, que jusqu'à présent, les avocats n'ont presque pas gagné. Il y a des associations de planteurs qui sont arrivées à faire une évaluation pour ouais, qui ça y est, ça y est comme dégâts en termes sur l'économie, le département, par exemple. Et une des choses que nous manquons dans le c'est que c'est des grandes organisations planteurs. Même si nous avons planté, ils sont plus individuels. Donc ils font un pile de travail, mais c'est un travail individuel. Moi-même, je fais un pile d'efforts pour me dire. Nous avons une organisation, c'est vrai, mais je rencontre avec un pile nègre qui a de gros moyens. Par exemple, je rencontre avec un nègre comme Winner, qui est ancien délégué de départemental, qui avec nous avons de bons contacts. Nous parlons tout le temps. Nous parlons tout ça. Un nègre comme Roger de Scobet, Gérard de Ristan, je parle avec un nègre Sayo, je parle avec plusieurs nègres comme Wilson de Ristan, je parle avec les nègres comme Chérilias Alexis, Liberto André, je parle avec un pile de planteurs Beaumont. Surtout pour montrer ouais, qui ça que nous sommes capables de faire. Oui, Winnes et Dame Marie, je parle avec des nègres dans Dame Marie, des connards, ouais, comme Jean Simon, qui sont nègres que nous avons des contacts en SDNO. Moi, plusieurs nègres, je parle avec des élus également, et pour moi, qui ça nous sommes capables de faire, comment nous sommes capables de faire. Parce que des gens par rapport à l'autorité, et quand ils ne marchent plus bien, ils ont des députés, qui magistrats. Et on est ça, on est sénateur. Donc, là où j'en avec quelques citoyens, et par exemple, un notable, et qui, comme moi-même, là, je entré dans la presse, dans toute la presse, là, je entré et sorti dans toute la presse, là. Donc, ça veut dire, je suis introduit. Il y a un pilote tout gagné. Par exemple, il y a des gens dans la presse, là, qui c'est mon Jérémy tout, qui a dirigé des salles de nouvelles, etc. Donc, ça, et la presse, là, plus ou moins ouvert à ça. Mais ça a empêché de mettre ensemble pour nous parler d'une seule voix. Bon. Et que tu as fait un peu plus comme tout, peut-être ça, non, mais Mbaldou, ça a Banque Centrale. L'un de Mbaldou est sur le dossier Banque Centrale. Et Mbaldou, ça a une Banque Centrale. Il y a une Banque Centrale. Ce n'est pas le gouverneur, ce n'est pas le gouverneur Jean-Baptiste Dubois, ce n'est pas Mme Georgette. Directeur général là Georgette Jean-Louis, directeur général, c'est mon Beaumont. Il fait Beaumont. C'est pas monsieur Fritz Diozo tout te dit ça mais son l'autre grand cadre de la banque centrale là qui parle même en privé il dit pour que ça ne va mettre 100 carottes ensemble dans des 100 millions goudes pour nous faire une grande usine alors pour faire une usine de transformation Là, je vais bien yeah. Et sous une usine de transformation on prend des points stratégiques pour faire. C'est soit on a fait le Beaumont, on fait le Roseau. Ou pas d'amis, on fait le Jérémy. Parce que Jérémy, déjà, on prend un clavier. On a fait le côté comme Roseau, il y a plus d'espace. Et qui a communiqué à tout le reste. Ou bien on fait le Beaumont. Côté qui Beaumont, si on fait le Beaumont, on fait là tout le reste. 11 communes qui derrière. On commençait par les postes avec plusieurs nègres. Dans le grand instant, pour moi, qui ça n'a qu'à faire. Donc ça c'est une bagaille qui est capable de permettre que nous fassions une usine de transformation, tu as gagné l'amenant, tu as gagné farine, farine mayo, farine malanga, vive et fuit. Et Grandance son côté tellement produit fuit, particulièrement on fuit comme ananas, mango, il y a un pile de fuit. Donc nous avons fait maïs, on produit maïs, on produit maïs de qualité, puisque ce sont maïs en montagne, et maïs, ça maïs c'est moi. Maïs c'est moi, elle est un peu. Supérieur à maïs 3 mois parce que il prend plus de temps pour le donner, il y a plus de vitamines là-dedans.
Je veux dire, c'est cette question de transformation, ça. Oui, il y a l'avenir de l'agriculture. C'est ça. C'est ça qui est l'avenir. Donc, c'est ça qui est l'avenir. Mais comme il y a, ou pas le dire, la Banque centrale fait gros bah, ça, bah, gros discours, la Banque centrale déplacé. C'est la première fois qu'elle déplace avec. Il déplace qui était Nakadou et QGLI, c'est-à-dire du centre-li, qui c'est dans la ville-là, pour aller en province, avec trois parmi cinq membres conseillers là. Et parmi trois parmi cinq membres conseillers là, ou bien gouverneur à Galé, ou bien directeur général à Galé, ou bien M. Fritz Ozo, l'autre membre conseiller à Galé. Et le gouvernement m'a parlé à eux, il dit bon, monsieur, on ne va pas quitter banque la net pour continuer ça, nous tous pas venir. Donc, ils reviennent à la ganasse. Ils reviennent, ils font grande rencontre. Ils sont allés avec le directeur FDI, ils sont allés avec des agronomes avec lui. Ils sont allés avec les non qui a les assurances, qui assurent sa agricole, les capteurs à la AKL, ils sont venus depuis le mois d'août. C'était 21, 22 août comme ça. Qu'est-ce que ça fait après rencontre ça? Concrètement. Jusqu'à présent, rien. Rien pour qu'on fait comme rien concret. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour te faire? C'était bloc que tu as fait suivre ou bien agriculteur que tu as fait suivre? Une équation, hein? Pour me poser une équation pour vous, rapide. Allez-y. Ça, le problème qui vient, c'est que nous, agriculture artisanale, même si nous avons fait un pile plantation, mais soit agriculture artisanale, disons, qui pour qu'on ait une organisation industrielle là-dedans. Bah, nous faire pour nous manger? Non, pas pour nous manger. Nous voulons un pile. Ah bon? Ah, voilà, pile l'homme d'où vous nous dites. Vous avez deux, trois exemples. Non, mais même... pas de manière générale. Est-ce que vraiment. Nous, voilà, pile. C'est pour un pile là, nous, voilà, pile. Là, combien là, on a des bateaux à Bina. On a des bateaux à Bina. On a des bateaux pour voyager. C'est camion. Son pile, il veut quoi vous ça le boue. Ça, c'est des bagages. Tu as arrivé au CAI. Nous-mêmes, d'après ça, en pile d'information, c'est nous-mêmes qui deuxième fournisseur au CAI. Enfin, bon, bon. Ça me voulait aller bon. Et si je parle de la grandeur en général, nous faisons pas. Quel paquet de produits là au CAE, dans Port-au-Prince, il y a des gens qui sont tout du Jack, mais là, l'approvisionné, ils sont tout le monde naïf, l'approvisionné. Cependant, nous devons agriculture artisanale sous parce que sous mode d'organisation. C'est ça que l'artisanal, ce n'est pas en termes de quantité. Parfait. Donc, elle est. Mais quand on a demandé, qui s'est fait pendant que ça a été fait? Pourquoi il y a rien fait? Puisque la Banque centrale n'a pas tenu compte de son agriculture, ou bien Max Central, pas comprendre que son agriculture artisanale. Et nous pouvons expliquer lui. Nous expliquer, moi-même non, moi-même expliquer un peu. Même Max Central, c'est ensemble avec Chambre Commerce, Jérémy l'organiser. L'organiser, nous rencontre avec Chambre Commerce, Jérémy. Mon qui la Chambre Commerce, Jérémy, elle n'a pas une réalité. Il n'a pas une réalité agricole. Ça veut dire quoi, même non, c'est business ville qu'on est lui-même. C'est business commerce. N'est capable d'exporter. Tellement tu as des grands planteurs et des grands spéculateurs café et cacao qui sont dans le centre-ville Jérémy. Vous avez fait que cacao a négocié directement pour prendre ce café à pas café encore. A dit, les gens qui sont dans le centre-ville pour prendre ça, qui sont dans le centre-ville Jérémy, qui la chambre commerce là. C'est là-bas à importer, vous cherchez farine, vous cherchez sucre, vous cherchez du riz, vous cherchez. C'est ça qu'on est. Il pas qu'on est réalité, il est capable. Ou un produit qui a sauté en province pour aller pour l'obresse. Mais c'est une réalité. Donc, comme Banque Centrale, j'ai avec mon chambre commerce, j'ai un grand destin, Jérémy, d'ailleurs, chambre commerce, Jérémy. CCIJ. C'est chambre commerce, Jérémy, parce que je suis chambre commerce, grand destin. Donc, le fait que c'est ça, mais il y a des gens qui parlent, par exemple, si vous prenez comme Chavenier, là, ils parlent, ouais, c'est n'est qu'à parler, et puis là, ils ont fait éloge à directeur FDI, Edgar, jeudi. Monsieur Abdou, bon, bien content, ouais, et directeur Edgar jeudi, directeur FDIC là, qui sont inagréés pareil, moi. C'est ça, qu'a parlé. C'est pas vraiment un problème en profondeur là. Et bien, problème, il y a inagréé, hein, donc on te dit bravo pour inagréé. C'est vraiment, mais moi, j'ai une belle formation. Par contre, il y a des réalités. C'est des gens qui ont vu la réalité, qui connaissent. Qu'est-ce que c'est une revendication de thé? Qu'est-ce que c'est une dépotée dans la compte là? Moi-même, par exemple, c'est Banque Centrale même. T'es invité. Mais la majorité de l'autre monde, c'était Chambre Commerce, j'ai mis des invitations. Des invitations, bah, des mairies, etc. Mais niveau conférence santé, il n'y a pas de niveau assistance. Vous comprenez bien, ça m'a dit. Niveau conférence santé, il n'y a pas de niveau 80% assistance qui était là. Assistance qui était là, c'est des planteurs, c'est des intellectuels, c'est des commerçants qui étaient là. Mais qui
de 80% pas des monde qui habitué à parler de plan d'affaires. Pas parler de plan d'affaires. Son l'autre niveau. C'est des conseils, par exemple, faut te faire venir, ou t'as gagné des monde qui a fait plein d'affaires. Mais faut t'as gagné des monde qui ont un niveau crédit, qui pour t'a fait plein d'affaires, passer par moun sa yo, pour lui arriver à distribuer crédit. C'est ça que fait me dit moi-même. Je suis intervenu, je dit. Le Banque Centrale est venu. Il parle de, bah, sur le plan global, sur le plan national. Mais il baisse le crédit, il augmente le pourcentage qui prend dans la construction. Il augmente le pourcentage qui peut aller dans l'hôtellerie. Il augmente le pourcentage qui peut aller dans la encore. C'était 5 grands. Oui, mais parce que ça a tout le programme pour encourager les banques commerciales qui voulaient prêter agriculteurs. Par contre, il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre pour tout l'autre, il n'y a pas de chiffre pour l'agriculture. Et ça fait que je suis intervenu. Je me dis, est-ce que c'est la funéraille agriculture qui est venue? Et ça, je suis bien content que Mme Georgette, qui est mon beau et que papa, c'est un nègre qui est un richissime. Et spéculateur, papa a dit des dizaines d'hectares en café, en pois, etc. Et il te répond fièrement pour le dire que lui-même, c'est café que fait papa a gagné, plus qu'une douzaine petite, mais tout à l'étranger avec comme que papa a gagné. Pour le voir, c'est l'agriculture, papa le fait comme lui, c'est la spéculation. Donc lui-même, il va travailler contre l'agriculture. En plus, le monde dit que les gouverneurs sont progressistes, en plus, le monde dit ça. Madame Georgette, je connais que lui obligé pour réussir en matière. Lui obligé de idée sur ça parce que c'est au monde qui se. Mais finalement, qui est-ce que ça n'entend? Mais les gens entendent. Ils entendent que pour faire des plans d'affaires, pour venir déposer la FDI, pour FDI même pour faire suivi. Ils ont dit, mon affaire, ils ont même tout, ils ont pris. Moi-même, je te dis, première à réclamer, moi-même, c'était un fonds de garantie. Et ça, on a réclamé depuis plusieurs années. Un fonds de garantie la banque secteur agricole, pour le secteur agricole, yo, ça va permettre que nous-mêmes, le secteur agricole, là, nous, banque, nous avons une garantie pour prêter nous à un taux que chaque fois que banque a prêté, on va prêter un taux jusqu'à 48-60% l'an pour faire agriculture. Qui ça vous dit? Vous avez dit, vous avez prêté à 36%? Mais attention, BCA doit prêter à 12% l'an. Rapidement. BCA prêter à 12%. Vous gagnez 33% pour mettre. La fond banque là. Ou bien 2%, c'est fonds perdu, 2 à 3% fonds perdu. A dit que c'est 64% comme la gouvernement, mais on peut payer intérêt sous 100%. A dit, là, pour tout le monde, on fait chiffre bien. Même pas bien qu'on fait chiffre, mais le monde qu'on fait chiffre bien, on trouve que 12%, ça, elle passe à 48%. C'est à 45-48% là. Donc, ça, c'est pour CBCA. Mais c'est de même pour l'opra cité, c'est des institutions publiques qui donnent pour soyez sol. C'est mettre mené soyez sol Beaumont, il était Jérémy, c'est mettre mené Beaumont. Mais il y a 36%, mais 36% plutôt là. Frais que vous prenez pour vous, à tout d'autres bail, vous prenez pour vous, il vient jusqu'à l'an 48. Vous avez ça souhaité, Kounia, que ça ne désire pas par rapport à la crédit agricole. Il y a une banque centrale que. Faut ces fonds garantis en communauté dit qui vous permettent que nous avons crédit nous baisser crédit ton crédit à 3% de à 3% pour agriculteurs et nous avons un crédit de moi même c'est intervention maintenant c'est nous avons crédit de jusqu'à 6% pour le secteur commercial là parce que son secteur qui est anémié faut que nous prenions ça en main et ça me dit de où t'as vous dit bon depuis là ça rien pas fait moi même sous tout le monde qui m'a dit je te dis il faut faire plein d'affaires plein d'affaires. Je crois que mal les FDIO parlent avec moi. Je discute avec eux. D'après toutes les informations que j'ai, il y a un grand plan d'affaires que FDI recevra. C'est le plan d'affaires que moi-même, Alex Tigléis, nous faisons plan d'affaires sur l'organisation, sur l'EPAM, qui était qu'on a fait, mais pas qu'on a marché. EPAT, entreprise de production agricole et de transformation. C'est le seul plan d'affaires pas maintenant. Ils font une correction, ils font une première correction, ils font une deuxième correction, pour y aller, bon, deuxième correction a fini, je crois que vers mardi, on va pouvoir l'aller. Mais, comprenez bien, l'on a un plan d'affaires. L'on a un côté, côté une situation si grave comme ça. On a un plan d'affaires, on a un plan d'affaires sur le rapide, on a un plan d'affaires depuis un mois de septembre. Ils ont reçu une bonne réponse là en mois de décembre. En mois de décembre, on a fait, normalement, il faut faire plan construction, tout, etc. On a fait plan construction, caille. Et puis rapidement fait, et puis au Bali, et au Bali en mois de janvier, parce qu'il faut payer pour faire pour plan d'affaires. Un plan d'affaires. Un plan d'affaires coûte, c'est pas n'importe quel plan d'affaires. Premièrement, moi-même, ça fait un plan d'affaires, c'est parce que, un, je bénéficie au colon de bagaille. Qui ça bénéficie? Un,
Je suis venu à l'agriculture, je ne suis pas de Dakar, mais depuis 6 ans, tout le monde est jardé. Même si je suis de l'école Jérémy, mais tout le monde connaît de vous, vous êtes jardé. On est bête, on est tout bail, on est fait élevage. Et puis papa me dit un système, depuis nous venons, la vacances, il dit bon, on a dit que les vacances, lui-même. Donc nous-mêmes, tout le monde est bête de l'eau, elle travaille, elle fait Covid, etc. Toutes filles, même. Tout. Donc ça veut dire que ça. Je suis premier ça. Deuxième, ça, je suis convaincant. Je suis convaincant, je suis pile client dans le ministère de l'agriculture, pile client dans pile côté. Je suis convaincant, je suis convaincant sur le marché général, comme marché général Bataille, marché Okaï, marché Kouabossal. Je n'ai pas même qu'à chita directement. Alors, je suis convaincant. C'est ça. Bien. Ça, c'est le premier. Deuxième bagage. Troisième bagage que je suis, c'est que je fais expérience exploitation avec les Moura. Et les mourants, si mourants, ils ont fait un contrat, ils ont fait un contrat, ils ont fait un contrat à l'étranger. Donc, moi, comment faire? Donc, vous n'avez pas fait partage d'expérience. Je fais la vague. Je fais la vague. Je fais la vague. C'est ça. Nous allons seul voir. Ça fait que moi-même, moi, j'ai gagné possibilité ça. Et puis, je devais nous signer un contrat. Vous avez dit ça, là? Et je devais 25 tonnes. Mais, drôle de coïncidence, la majorité n'a pas le premier problème. Il y a un problème de tonnage. Pas qu'à parler de tonnes, moi-même, moi-même partager, moi c'est partager, même m'apprendre. Nous ne pouvons pas apprendre l'école là. C'est différent, soit apprendre l'école là avec soit pour faire la pratique là. C'est vous, soit pour aller faire l'école là, orienter, soit pour faire la pratique là. Là, moi, je rencontre avec un agronome, c'est docteur la douceur, c'est mon doctorat, et c'est vis-à-vis de l'autre femme Québec. Là, monsieur a pas dit, il faut quantifier. Je dis, mais je me dis, combien de sacs je travaille? Et monsieur dit, non, c'est un tonne pour Bali, c'est un tonne. Fait une discussion. Finalement, ma monsieur, je me dis, tout apprendre dans mes missions sur le plan théorique, je reprendre et comment on est capable de faire un tonne. Mais sur le plan pratique, c'est la même monsieur apprendre comment on peut faire un tonne. Parce que je me changer que, là, on tonne en grès, on a 20 sacs. Mais là, je me garde dans le sac en grès, moi, quand on a vu, on a 14 mamites là-dedans. C'est-à-dire qu'on tonne du riz, on a même 20 sacs là. Il y a 17 mamites et demi. Et puis, je fais calculer rapidement, je me dis, il y a un pilou qui est engrais pilou qui est du riz, qui est poire. Donc, quand il y a là, je me dis, c'est pilou. Si je parle de tonne. Donc, ça veut dire, bagaille qui sont tonnage, ça va. Soit parler là où on fait exploitation. Faut gagner un groupe de monde qui maîtrise ce type de bagage. C'est pas moi qui va venir nous acheter 5 mètres pour l'amour, 10 mètres pour l'amour, c'est tonne de l'amour. La si on parle de yamba, on a pas de 50 sacs. Depuis la bataille, on a un sac, il y a combien de sacs, tant sacs, c'est pas artisanal. Donc automatiquement, si vous voulez rentrer là-bas, il faut qu'on ait un qui compte bagage qui, non seulement la base là, mais qui gagne moyen pour lui en mi-temps, pour gagner moyen en l'air à tout. Moi, j'ai un contact. Je fais échanger tout cas de monde. C'est ça que je suis capable de parler là, je suis capable de parler là, je suis capable de parler pour le planteur, la vie parler de production, il y a non, importance, il y a non, gagné, comment il y a non, planter, moi-même, je suis capable de planter tout. Mais mettons quand même, on peut défendre là, monsieur Alcadé, combien de temps vous pensez que vous avez gagné? Mais je suis capable de parler ici, 100%, mais ma boule à 90%, je suis capable de parler de ça, après 30 tonnes. Donc, coopérative agricole, dans la je veux dire? Il y a une coopérative agricole, mais tout ça, comme je dis, c'est des bagailles qui sont un petit peu embryonnaires. Parce que bon monde mais je vois pas même de genre qualité production grande sainte pas d'abord embryonnaire toujours à l'extérieur certainement c'est ça même d'où que mon est très individuel monde qui pour permettre ça être capable de marcher puis bien c'est les autorités même de les autorités. C'est pas à part qui sont président, ministre, on parle les autorités, par exemple les maires, les députés, les sénateurs, qui sont capables de faire des encadrements. Tu as venu avec des techniciens, des gens qui maîtrisent les données, par exemple, comme même la maîtrise certaines données. Le ministère de l'Agriculture, tu vas faire le ministère de l'Agriculture. Mais le ministère de l'Agriculture, c'est pratiquement, et ça m'a dit à l'étonneau, pour un peu de monde, le ministère de l'Agriculture, c'est le plus gros obstacle à l'agriculture en Haïti. Donc, soit le ministère de l'Agriculture, après que c'est ah bon? Son ministère mourant, et moribond, ouais. Donc, on va regarder. Bon, si soit, c'est comme si vous voyez, le ministère désolé. Par exemple, si nous prenons le ministre, moi-même, c'est n'est qui qu'on a des rapports en pile ministre, nous faire des échanges en pile ministre. Mais, là, regardez, ouais, c'est n'est en fait, chaque fois par la journée. Premièrement, si je dis à un gouvernement qui dit que la préfère agriculture,
choix de bataille comme président Jovenel dans campagne électorale. Il te dit si agriculture là c'était Abdou et c'est un volet important. C'est une des plus gros familles. Puis depuis gros madame li, c'était madame li qui était marché derrière là, l'autre madame là c'était agriculture. Et deux madame ça était comme depuis gros madame li. Mais sous près de l'agriculture je dis. Rien bah vous fait. Même j'en après quand madame pour toujours marcher avant. Là faut qu'on cadre agriculture pour marcher avant. Rien bah vous fait. Faut ta ba une feuille de route. Le ministre de l'agriculture dit premier ministre m'vle agriculture à marcher. Premier ministre sous pas qu'on agriculture là ou prendre des techniciens pour venir parler ça qu'agriculture là et pas forcément des agronomes. Agronomes yo appelé tout pour bon surtout côté pointu là. Mais c'est orientation même moun qui dans agriculture même qui a dépensé cobli, qui a payé cobli, qui a payé journée, qui a vendre, qui a acheter, c'est faut gagner tout bon tout là. Quand y a fait ça, ou pral gagner un cahier de charge, ou pral gagner. Moi, le premier, bah, m'a discuté plusieurs fois. Si tu avec Agoudon, mon ami Michel, tout en a discuté. De regretter mémoire. Oh, Michel, la paysannerie haïtienne a perdu l'une de ses plus belles étoiles. Tandis que Damien n'en a pas perdu. Et si vous prenez, pour y avoir gagné, c'est pour les fermes de l'État. Faudrait-il l'État gagne environ 442, 49 fermes. Faut fermer l'État à rentrer en action. Chaque femme ça a un agronome, un agronome directeur et puis plusieurs autres agronomes qui ont produit semences. Pas fait une fois, j'ai comme une femme qui est en Afghanistan, mais si je prends national, plus qu'à nous, il y a environ 42 femmes nationales. Mais la plus grande femme en Afghanistan, c'est Hans Denolier. Et Hans Denolier, c'est vraiment femme Franklin, il va être formidable. Un gars formidable. Du Valier, il y a un gros bagage là-dedans, il y a un caille là-dedans, côté même Marie-Denis, il y a été déchouqué après. Le départ de Duvalier, après que ou après chambre Marie Denise, ou après chambre Jean Claude, chambre tout le monde, bah formidable. Toujours là. Oui, mais tout le vestige là. Mais sans problème, c'est n'est tout simplement des écailles qui étaient faites avec structure légère, une grande partie là-dedans. C'est n'est que vous mettez structure là, et puis glacio là, tout le bagaille, côté hélicoptère qu'on descend, bah c'est là, bah c'est formidable. Mais c'est pas comme gaspiller sur chaque pied banane, bah extraordinaire, on pille une cordium là, c'est pas été chargé. Mais, c'est des bails qu'on qu'est-ce qu'a dit mairie Azeno qui gère le grand compte pied bois là bon après cycle là pour aller on compte celle qui a 30 ans c'est pas on dit c'est des celle qui gagne n'importe 100 ans pour grosse celle ça yo celle cajou bah ça yo c'est cette Venezuela cajou Venezuela des bails formidables. Donc c'est une fois moins doux et qu'on y a pour bail pour gagner faut toute femme ça dans métier mais si même Damien n'est pas arrivé mettre femme Damien en marche, yo qui te femme Damien, squatterise, tout le monde rentre sous lui. Président Aristide Debron parti mettre l'école là, il mette lycée, qui pas de bon du tout, ou pas capable de bon squatter. L'ordre de l'agriculture, le ministère de l'agriculture, c'est fait pour propre. Ou pas capable de prendre un pile de monde qui a vu mettre, qui a vu une polie en dans le ministère de l'agriculture, c'est qu'il y a plus que 10 000 monde fréquentés par jour. Et tout le monde sait qu'il y a un type de pollution par rapport à côté, il y a un machin, donc ils sont côté polie. Maintenant, donc prenez moi tu me donnes femme là faut un faut la mettre toute femme en marche et que ça va permettre que ou gagne des monde qui produit semences semences de qualité pour qui fait des études pour bien ça fait dans ferme Lévy au Kay qui gagne agronome Chalmay qui font un gros travail là-dedans. Bon vous félicitations à agronome Chalmay même gens gagne or qui font travail mais or c'est bail privé et au Kay bah qu'on est sur qu'on or avec agronome Eliassin. Mais ça a fait de gros travail la question de production de semences. Faut gagner ça. Deuxièmement, faut tous les bureaux communaux, faut gagner. On a des bureaux communaux qui ont gagné 2, 3, 4 agronomes suivant l'importance. Et faut renforcer les bureaux départementaux qui ne peuvent pas gagner 2 agronomes ou bien 1 agronome, 3 agronomes qui ont gagné au moins 7 disciplines qui ont essayé là, 6 disciplines qui ont essayé dans la faculté d'agronomie. Faut gagner 6 disciplines dans toutes. Tous les bureaux départementaux, il faut avoir toutes 6 disciplines là-dedans. C'est-à-dire que, ou pas besoin si une peste qui tombe là, on va obliger de mandater Damien pour voir un spécialiste aller là, juste mon bien crochu pour la regarder. Ça, tout le problème est mon bien crochu. Donc, il faut avoir ça. Donc, crédit encore. Et ça, il faut avoir
agronome ça et agronome ça te passe sur l'autre bagaille ou tu as besoin aussi des professionnels que eux tu as fait des cours dans des écoles tu as gagné des écoles moyennes agricoles comme si monde privé voulait faire ou bien l'état t'a voulu faire yo t'a conseiller tout parce que c'est des nèg qui ont des solides formations mais on a agronome il faut qu'a fait pour tourner avec l'école moyenne agricole oh, et la Simonite là et oui moi il a fait ça mais Damien tout dit mieux yo parce qu'il a bref construit faculté là yo commencé donc c'est bon vous et félicitations pour lui après commencer reconstruire faculté dans l'attendant que reconstruire ma bâtiment chef d'œuvre bâtiment et bon on a souhaité sa fête même des madame si ça me discuter avec eux mais son côté me fréquenter en pile et moi même la caille c'est la caille moi en la vérité me pas besoin mais bien que chaque jour mal Damien me sorti fil nous fait des discussions sulfuriques avec les gros parce que là me dit un gros problème discuter avec eux mal féliciter eux parce que moi agronome et Mathurin ancien ministre Mathurin général Mathurin qui était un virtuose mouri il pas mettre un bon rôle pour lui agronome William qui fait 51 ans en dedans Damien il fait 4 ans étudiant. Il fait tout le temps comme employé, c'est seulement là à l'étranger, le pas Damien. Il a dit tout près Damien, il n'a pas une semaine pour le pas Damien, même malgré le retraité. Eh bien, il mourit, il n'a pas eu tombé dans le boulot. Vous avez dit, monsieur, c'est ça? Ah, monsieur Damien. Je discuté avec lui, je parle avec lui, je discute avec lui, je discute avec lui, je discute avec lui, je discute avec lui, nous faisons pile discussion sur ça. Pour Modev. C'est vrai, pour Modev, c'est les amis, moi. Mais moi et Majan Mouna, nous faisons pile discussion sur question ça, pour nous. Et monsieur qui s'en d'accord de offrir parce que moi dit avec Damien moi m'a rencontré du grand chef Damien me dit attention monsieur mais alors Damien m'a au moins accès ouais avec chef yo si on parle un chef c'est moi même pour raison pas tel comme ministre en parle lui c'est parce que bon il a raison parce que m'estimer mal lui bon m'écrit là projet bali yo pas même répondre pas ou t'as répondre parce qu'en matière de communication les pour recevoir yo te dit que toutes les écrites méritent au moins une réponse. La réponse peut être positive ou négative, mais au moins une réponse. Donc, vous avez pas même en de ça veut dire, Damien, je parle avec les gens, au moins nous avons organisé une grande cérémonie à l'honneur de honorer mes moi les gens, même si vous avez dit que et madame, monsieur était vrai, vous avez fait une stricte intimité, me dit non, attention, on est. Codex suicide tête automatiquement on est la suicide tête on personnalité de rang William dit sa famille dit c'est ça même si sa famille en dit famille en dit suicidé de là mon cher femme gagne autopsie oui non mais famille dit famille autopsie non vous d'accord tout il appartient à la famille non famille de décider de gonfler le faire intervalle non famille qu'a dit mais que j'en la fait demain pas empêcher non famille légalement famille doit dire demain mais légalement on monde qui suicide tête lui c'est pas son cadavre l'état. Si le ministre de l'Agriculture dit cadavre ça, il le fait autopsie. D'ailleurs, son fils du ministère de l'Agriculture, un grand fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, il a obligé de faire autopsie. Même si vous avez mis un cadavre famille, mais ça va empêcher que vous fassiez une grosse cérémonie, invité. L'information de l'Agriculture, c'est que famille est mine business, vous voulez que c'est vous coucher à faire. Non, famille est mine business. Parce que l'État n'a pas rentré. Parce que l'État a entendu. Je dis, si l'État dit qu'on ne pas la télévision nationale là, encore son bail, on l'autre bail qu'a fait là, il va déplacer la télévision là, sur l'autre côté. Elle est à qui? Il ne pas même parler de monopole d'avion. L'autorité, c'est à l'État. Je ne pas dire que vous avez abus, non. Je ne pas dire que vous abus, non. On va retirer la télévision là. On va le mettre de l'autre côté. Est-ce que vous avez assemblé de vous là, bien? On ne va pas le rentrer là au cas où mettre tout le travail dehors, etc. Pas samedi. Mais on va décider de dire là, pas place la télévision encore. Parce que la télévision est faite là, Delma, tu es capable, mon commune, qui t'a gagné environ 50 000 personnes. Je dis à Delma, gagné 150. 200 000, donc on dit bon, là, c'est pas place télévision encore. Ça. Maintenant, je veux dire, là, vous ne continuez pas à parler, non. Et avec si, qui ça va aller, je veux dire, pour planter, tu es capable de remembrer l'agriculture dans le grand sud là, qui t'a aidé à garder ça, retourner, grogner ça, avant Mathieu. Il faut l'argent arriver dans la main, monde qui travaille là. Parce que. Sans rien, il faut l'argent arriver. L'argent qui vous permet de produire. Faut l'argent arriver, c'est pas comme si on même qui venait au bail, comme si à fond distribution, il y a actuellement député Beaumont, tout ça, lui, les voies. Anouz Bernard? Oui, Anouz Bernard, et magistrat Beaumont, Favre Alexis, ça lui. Donc, il y a fond distribution, délégué Beaumont, vice-délégué, et arrondissement Corail Beaumont, qui c'est, et mes gachoumettes, et ça lui. Bon, moi, je dis que, il y a fond distribution, il y a. Fond distribution, détoyant.
t'es pas dit 3 8e mais sous ba on est 50 8e. Ça c'est bail. Mais sous besoin nèg la faire agriculture, là faudrait-il c'est nèg la gien comblé la même li cache ton quantité yam, li plante ton quantité yam. Mais ça clage la coûte cher. Par exemple pour ça que on hectare terre, par exemple ça un carré de 40. Ou besoin de 25 000 gouttes pour ça clé. Et c'est un mois planté, il a pris trois saclages. Il a pris un premier saclage terre, il a pris un deuxième saclage, il a pris un troisième saclage. Donc, saclage enseignement a déjà coûté dans près de 40 à 45 000 goudes pour sacler. Mais ce n'est pas tout le temps qui a fait ça. Et puis ensuite, pour acheter un mois planté là, ça coûte dans l'ordre de, par exemple, si on met 3 et 2 yam par but. Par exemple, si chacun a un couteau, ou a fouillé environ 5 000 buts, par exemple, ou a fouillé 4 000 buts, ou 2 000 buts, soit a fouillé bon, balle, ma parle de monde qui est moyen net, soit a fouillé 500 buts, à chacun, et a couteau 5, chacun plan a couteau 5 dollars, et bien de 25 gouttes, soit a fouillé 500 buts, il a couteau un bon petit casé comme. Pour fouiller bit là, pour trouver environ 5 gouttes par bit, pour fouiller bit là. Elle dit qu'il faut qu'il y ait comme l'amour. Donc, on va là, il faut qu'on arrive dans les planteurs. Il faut qu'on arrive dans les planteurs. Deuxième là. Deuxième bagaille, il faut que l'État t'apprend à mettre les fermes en marche, okay. Côté que pour faire mieux capable de produire ces masses. Parce que produire ces masses et faire formation tout. Formation continue pour les planteurs. Okay. Jeunes et anciens, faire formation continue pour suspendre, brûler. Par exemple, apprendre à faire compost. Il faut que vous apprenez à faire compost. Et puis pendant que vous plantez, pour être capable de gagner une technique qui permet de planter à faire au boisement. Et puis ensuite, sous besoin de grandance, même particulièrement ma bombe qui va à la bougain dans le sud, il faut que vous dit bon, ma besoin environ 50 000 hectares, ma planté café à cacao. 50 000 hectares, n'est-ce qu'on a habitué à café sous terre, donc on va le prêt spécial. Donc, dit café à détruit là. Café à détruit. Mm-hmm. Et le ça, on va le besoin de jeunes agronomes. Donc, on va le prendre n'importe 1000 jeunes agronomes qui ont tout le. Ça prend combien de temps pour nous avoir écrit du café à camper? Du café, si je dis, l'État a décidé, je dis, eh bien, on a besoin de 5 ans. Le temps de mandat d'un président. Ok. L'espace café a commencé à donner à 3 ans, l'amputée fait-il, 3 ans, a commencé à donner. 4 ans, a continué à donner. 5 ans, on commence à avoir un bon record. À partir de 6 ans, on a un bon record, la net. L'amputée fait-il. L'amputée qui moins fait-il, on a besoin de plantes comme Mascuti pour planter, qui pour bon, ça a eu leur abri provisoire, on a besoin de pile qui pour permettre que au café a gagné un paquet de plantes. Qui a payé parce que son plante associative qui est café aïe. Il y a un paquet de bois comme ça, man, sucre, mango, les oranges. Ou a mettre tout le bagage là-dedans dans le café aïe. Ou a pas un moment de écologie là, préféré. Ça c'est pour café aïe. Cacao a tout le valable, tout. Même bagage là. Cacao a lui-même, il y a un peu un petit peu plus gros que café aïe. Donc lui-même tout, ou a besoin. Même pas d'ailleurs, là, on a 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 personnes qui travaillent, qui ne peuvent pas la maison. Moi-même, par exemple, si je plante 2 hectares en yam, mais je ne peux pas le faire la même. Ou on plante 2 hectares en café, en cacao, je ne peux pas le faire la même. Donc, il y a des cobres privés, et puis il y a des gens qui viennent pour vous habiter à l'école, il y a des cobres qui viennent dans le docteur, et puis ensuite, ça, c'est un bail, ou un paquet de jeunes agronomes, tout. Bah, comme si vous n'avez pas ce dernier. Moi-même, personnellement, une bonne idée de formation qu'on aime recevoir. Okay. Et crédit, on va parler de crédit. Pour crédit. Non, mais comme la, pour comme la jouer là, il faut que je parle de garantie pour banque gagne. Et le ça, il faut une supervision que comme que banque gagne, hein, c'est pas un comme qu'il y a pas pour seulement importer vieux plastique, soit dans la République Dominicaine, soit aux États-Unis, importer fatra, vient seulement mettre le pays. C'est des gens qui apprennent comme là, effectivement, pour la planète qui va le mettre. Sauf fait toi avec l'aléa environnemental, par exemple, question sécheresse, c'était un moment de pile problème là, dans Jérémy. C'est sécheresse là, il faut que nous bien. Jérémy, c'est une côté qui a pile de l'eau, pile en pile de l'eau. Pour me battre du côté qui a plus de l'eau. Et est-ce que pas ça? Et l'eau qui ça de l'eau fait tout à l'heure, mais. Sous le disciple pour Algérie, on traverse 5 grandes rivières. Par exemple, vous avez la rivière Glace, ou la rivière Roseau. La rivière Voldog, la rivière Guinodé, et pas particulièrement Grandes qui comme un fleuve. Tout le monde, ça, c'est la mer. Et ça, c'est Grandes qui c'est ça, vous savez, c'est la Jérémy. Mais chargé rivière, dans la zone et Grandes. Mais, il y a des agronomes qui m'ont discuté avec eux,
Je crois que nous avons parmi lesquels au moins deux qui ont fait président Jovenel. Il y a deux qui ont fait Jovenel pour la proposition. Est-ce que c'est vrai? Je suis presque sûr, puisque c'est des hommes qui ont plus ou moins fait confiance. Et je te dis que font centaines de citaines, gros centaines de pluvium, à travers chaque département. Qui va le faire qui ça? Tout le monde qui a mis de l'eau, et sont gros coups de qui a mis de l'eau pendant une période pluvieuse. Et c'est même, logique la collinéa, non? Mais oui, c'est logique la collinéa, mais pas finalement la collinéa net. Alors que la collinéa, lui-même, lui affecté à poisson, mais il y a qui a mis de l'eau. Qui a mis de l'eau pour servir à poisson, mais causer avec lui. Mais le pluvium, surtout, fait l'empante. Ok. Fait l'empante qui permet que le pluvium, non, ou capable. Chercher de l'eau dans l'autre rivière ou faire de l'eau avec là-dedans. Période pas gagne de l'eau. Période d'habitude, bon, tout qui de l'eau, ça y là. Et période qui pas gagne de l'eau, capable de gagner une sorte de pompe qui est attachée à la rivière dans l'autre zone, pompe et ouvrir de là-dedans. Et s'il le faut, tout, il y a des côtés de ces camions pour aller sur le camion qui arrive. Et au capoté camion de l'eau, à le mettre dans la pluvium. C'est tout le bagage ça, yo, qui vous fait qu'on gagne de l'eau, qui fait arrosage, surtout qu'il y a le maraîcher là qui nécessite un arrosage continu. Et ben, donc ça veut dire, le ça, c'est encadrement. Mais tout encadrement ça a besoin pile agronome, pile technicien agricole, au lieu qu'on ait sorti la faculté, c'est nous gagnons une dizaine de facultés d'agronomie. Donc, je ne vais pas penser que c'est à Damien qui m'a parlé seulement. Damien, c'est que je suis plus ancré, je m'allais souvent. Même, j'ai plusieurs autres facultés, d'être comme faculté de Notre-Dame. Et qu'on voit une quantité agronome. Dernièrement, il y a presque une trentaine à l'enfer ou enquête en bas. Mais il y a 17 là dans ce métier hébergé. Là, quand il m'a fait des marches pour me faire un hébergement pour eux, il y a des bons contacts à tout. Mais ça, on va nous la célébrer qui t'a fait peut-être à moyen, à long terme, mais à court terme. À très court terme, qu'est-ce qu'on a fait pour que nous rebâillons confiance à secteur, à paysans particulièrement? Premier bagage, moins doux encore. À très court terme. À très court terme, c'est l'argent, c'est tout simplement l'État prend disposition, lit et bail garantie. Et puis, il m'a dit banquier, parce que premièrement, vous commencez avec BNC, qui sont banques l'État. Dit que voilà. Ou voulez bail moun ka fè agriculture là crédit et pendant temps à court terme même dollar tout et ou passer ministre de l'agriculture connaît que rapidement il pas besoin de 2 mois pour ça il va 2-3-4 mois pour ça pour l'ouvrir toute base structure bio communal là parce qu'on pas ka prendre cop là bail comme ça sans qu'on pas connaît on pas aucun jet sous cop pour si cop là fait ça on veut le faire faut ta gagner des agronomes des agroéconomistes qui là qui parler avec qui parler cap qu'on fait contrôle et pour gagner et des techniciens agricoles qui peuvent faire supervision ensemble avec le bureau ça yo et puis ensuite comme ça avec les agriculteurs et puis ou même tout ou gagner à part du prêt mais gagner on côté de ces subventions même à bayam dans là yo cap bay banane etc. Et puis il y a des gros pépinières qui mettent des pépinières café pépinières cacao c'est des pépinières centrales qui ont fait toute tête mon yo ou fait des pépinières côté que qui des zones de production ou fait pépinière donc le sont sûr que là moun sa grafé pépinière yo gen problème pour planter café yo pour planter cacao yo pour planter citron yo t'a fait des vergers de citron des vergers d'avocatier des vergers de manguier ou comprendre et puis ensuite pendant tout bagage a grandi et puis on prépare pour usine là usine de transformation dans tout ça et il y a des bagages rapide c'est yam c'est pois c'est maïs c'est 5 mois c'est 4 mois, c'est 3 mois, 5 mois, c'est poids, c'est 2 mois. Et puis là, il y a un paquet de côté dans la zone grande qui fait durer tout. Là, dans le sud, tout, un paquet de côté qui fait durer. Et faut tout, tu as des balises qui mettent pour négocier, suspendre, cimenter toute zone agricole, faire tout le bagage là-dedans. Et puis ensuite, il faut que tu aies des balises qui mettent pour faire importer n'importe quoi. De toutes les agribes, alors que bon, on va pas contre, non. Mais bon, en même temps, tout le monde dit comment on va avoir quoi son bagage. C'est sérieux. Bagadi bon ba ba comme n'a pas avant la dominicani et puis dominicani et toute farga de luna c'est son ineptie donc c'est pour bagay pa mena tout commencer le marché binational là faut que moi même commencer c'est pas seulement pour nèg venir devenir café à tchot rentrer venir prendre café de façon illégale tchot dans Baptiste c'est dominicani yo vinn prendre tout produit gage une dizaine de communes. C'est à Dominicani qui fait plus. Bah, c'est-à-dire, l'État, il ne sait pas même rien contrôler là-dedans du tout, pas bénéficier à rien là-dedans. Donc, il vient prendre tout produit bio, il porte à la Dominicani, parce qu'on a Haïti presque pas utilisé engrais. Et puis, tout, faut l'État être capable de contrôler ceux qui sont engrais. Parce que engrais, alors, utiliser le mal, c'est poison au produit. Ah, moi, je ne parle pas là. Là, il faut les formations. Utiliser le mal, c'est poison au produit.
ne pas prendre le bord des bagailles trop pointu sur question ça pour pas faire des monde un petit peu peur parce qu'il y a des zones en Haïti qui commencent à produire des bagailles qui pas fin trop catholique, qui pas fin trop protestant, qui pas fin trop ougan. Il y a des zones en Haïti qui pas fin produire qui même mais c'est parce qu'on utilise un grand mal, c'est ça on le dit. Mal. Alors que nous pas en grain. Nous pas en grain non. Pourquoi pas en grain? On pas gagner. Si on gagne un petit bail petit. Dominicani d'habitude dit qu'on d'habitude dit et 30 000 les 300 000 tonnes nous même utiliser 30 000 tonnes. Dominicani bien que le gain plus plein parce que non plus bail parce que nous même penser là en effet c'est des bagailles nous pas gagner en grain. Là faut d'avoir des usines qui produisent en grain parce que pour nous acheter un petit engrais c'est Dominicani qui prend. Petit engrais nous prend Dominicani c'est Japon qui gagne usine et fait qui doit faire sand là en République dominicaine. Si ça nous importe là c'est la Tibonite qui prend 45% là-dedans et sud avec l'ouest yo même yo prend presque tout reste là il prend environ 40% et c'est environ l'autre 20% pour tout reste. On est tout ça Dieu t'es capable plus facile si que d'organiser nous dans niveau grandeur par exemple tu gagne des coopératives agricoles mais tu gagne des blocs de production. À une véritable fédération de planteurs, laisse ça ne parler d'une seule voix, et il est plus facile qu'on y a pour que l'État deal avec nous. Nous commençons à gommer dans ça, mais même voix n'a pas suffi. Moins des mounes, par exemple, moins d'où, Winem, me fait pression sur Winem. C'est délégué départemental. C'est départemental, délégué départemental. Nous commençons à discuter avec Gilles Scobet. Je ne parle pas à Gérard. Gérard, nous sommes plus ou moins coopératifs, nous d'accord. Gagner mettre Abdon Beaumont et Abdon Lajour, nous sommes. Mais le plus souvent, nous faisons. Mais malgré ça, le plus gros problème de la crise, c'est comment arranger nous. Et puis ensuite, tout le vieux produit qui a vu une noire, il faut, par exemple, pas les vaches. Et poules, par exemple. Ce n'est pas bien facile pour production poules là. Zé, par exemple, c'est pas facile. Donc ça veut dire, cabrit, c'est nous sommes un plus grand fournisseur cabrit en République dominicaine, nous avons dit que nous sommes un plus grand fournisseur. Donc tout ça, nous avons une cavane qui n'a qui pas même une compétition. Nous n'avons pas une compétition là, nous avons comme cabrit. C'est pour nous bonder les nègres en République dominicaine parce que c'est nous plus grand fournisseur. Donc ça veut dire, l'État a gagné, le ministère de l'Agriculture, c'est pour aider nous organiser. Mais le ministère de l'Agriculture, ce n'est pas sur ça que lié. Le ministère de l'Agriculture, c'est Damien Rété. Et même Damien, il n'a pas fini Damien même. Ça veut dire que Damien, il n'a pas quitté mon escouatérisé féminin, il n'a pas quitté que féminin Rété dans l'État lié. Bon. C'est ça. Parfait. Bon, là, nous parlons de l'OGM. C'était ma dernière fois passé où nous là, Alexis Cléris, parce que nous avons une contribution capotée par rapport à l'expérience dans ce secteur ça. Pour nous refaire une émission, par contre, on va vous souhaiter ajouter. Oui, bon, ça me souhaite ajouter, je souhaite que l'équipe n'est pas importée, bagaille. Je me dis, je dis, je n'ai pas de fatra. Je dis, je importateur. Je ne pas importateur. Ne pas importer tomate, je ne importer bagaille. Je suis capable de investir un peu. L'État a ici qu'à à l'investir dans la marché. N'est qu'à pas importer du riz, l'État haïtien qui a fait exigence, bénéfice non à l'importer, à l'investir. Mais ça, incitatif, il n'y a pas d'incitatif pour faire. Non, oui, mais même si vous incitatif, là, il n'y a pas prendre parce que vous faites bénéfice trop facile. C'est exiger pour exiger. Ou bien on va pas importer, soit on va importer, qu'on est que on va prendre la production. Soit pas la production, on va prendre l'importation. Bah, clair. D'accord. Bah, on peut importer, non? Mais on va pas importer, ou prendre le produit, ça, on va pas importer, on va importer. Et dès nous avons porté l'aide, nous avons fait une usine là, nous avons fait ce qui sont une transformation de fuite, et nous avons porté tout le bagage. Et bien, nous avons même une importation avec nous. Nous avons fait plastique ici, nous avons une usine là, fait une transformation de déchets, une usine de transformation de déchets. D'ailleurs, l'État ici, je ne parle pas de ça. Bon, tout vous avez mis ça pour l'État ici, gouvernement, président, premier ministre, tout le monde, ministre. Une usine de transformation de déchets là, il faut que nous ayons au moins 4. Nous avons un grand une dans centre, la Tibonite centre, une dans l'ouest, une dans le sud. Ça l'a fait des sites de fatra. Des sites de fatra. Et ça l'a fait de nous produire, et ça m'a capable de brûler, et en retour, ça l'a fait de nous produire d'autres produits d'arrivée, de dérivés. D'autres produits qui sont dérivés à partir de déchets. Et puis ensuite, ça l'a fait de nous, qui est une ville, nous propre, de nous, qui est un environnement, nous propre. Et qu'on a fatra tellement important, on a cherché là où on a besoin. Certainement, qu'on a la vendeur de fatra, on a pied, on a vendeur de fatra, ou t'as gagné fatra pour du lac, on a dit, madame, mais mettez la chasse, madame, allez, on a tout passé de la gueule devant, on a mon capitaine devant, on a mon galon gaz.
pour lui. Donc, au bureau, on tape l'autre monde qui t'a venu prendre la caille. Voilà, on dit, ah, mais là, toute façon, il est là, mais pas mal l'autre monde, non, pas mal l'autre monde, on t'a venu prendre le monde. On a pris un monde qui a plein de bois de chêne de Fadra. Là, la vie tombée par un côté pour globasser. Donc, tout côté, nous, tout pays honnête, tout pays honnête, c'est Jean ou elle lié pour le Brésil, qu'on a tout pays. Et nous, on fait un peu le côté de la pays. Nous, t'as souhaité que les gens qui ont une responsabilité, qui ont un fonds pays à la main, qui ont une responsabilité pays à la main, au moins pour d'autres pays, usine ça, usine de transformation de déchets ça, nous, t'as souhaité ça. Voilà, Alexis, il se passe un peu parce que tu es bientôt disponible pour nous et je ne dis pas la dernière fois, on a bien pour nous continuer à battre bouche, garder comment la réalité a été, garder qui je ne t'ai pas attiré attention, autorité sous nécessité pour que le secteur alcool là prend plus j'arrête. Merci tout le monde, si tu as suivi nous dans la matinée, parce que tu as passé une très bonne journée et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.